Salut à tous, c'est Magic Disney Aventure. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Disney Store, mais pas que, parce que nous avons fait deux petits achats à côté. Ouais. On va commencer par ce qui n'est pas Disney Store. Nous avons acheté deux livres. De la Belle et la Bête. Voilà, de la Belle et la Bête. C'est la sortie, comme vous le savez, le 22 mars. Donc, ils ont sorti pas mal de marchandises, hein, dont des livres. Et on a craqué sur ces deux-là. Moi qui adore lire, donc je suis contente. Voilà, t'as commencé celui-là, je crois. Ouais, celui-là. Celui-là, comme vous pouvez voir, l'histoire de la bête. On voit la bête et derrière, le prince Adam. Voilà. Couverture est très belle. Ouais, hein. Très jolie. Voilà. C'est un livre qui nous a coûté 13,90€. 13,90€. Il est vraiment pas cher. Voilà. Pour un livre, c'est pas cher. Le deuxième, c'est La Belle et la Bête. Histoire éternelle. Histoire éternelle. Hop. On peut voir sur la couverture, belle. Ce livre, on l'a acheté aussi sur Amazon comme l'autre, on l'a payé 16€. 16€ tout rond. Donc voilà, si vous êtes fan de La Belle et la Bête, c'est le mois de tous les craquages. Hein. Avec la sortie du film, il y a beaucoup de marchandises qui sont sorties. Donc voilà pour ce qui n'est pas Disney Store. À présent, on va commencer notre haul Disney Store que nous avons reçu. Nous avons reçu quoi? Des Tsum Tsum. Que des Tsum Tsum. Il y a une grosse sortie de Tsum Tsum qui a été faite en début de mois avec La Belle et la Bête, Pâques et Bambi. On va commencer par vous présenter les Tsum Tsum de Pâques. C'était des Tsum Tsum qui nous ont coûté 8€. C'était des Tsum Tsum en boîte mystère. C'était présenté dans une boîte comme celle-ci qu'on ouvre. Hop. Et à l'intérieur, il y avait un petit sachet argenté et il y avait le Tsum Tsum dedans. On a eu de la chance, on a eu les 4 Tsum Tsum différents qu'on va vous montrer tout de suite. Hop. Alors on va commencer par Mickey et Minnie. On a eu Mickey et Minnie, hop, avec leurs petites oreilles de lapin. Ils sont adorables. C'est mignon. Hop. Mickey et Minnie. Hop, ça c'est Mickey. Et ça, hop là. Avec le petit nœud. C'est Minnie avec le petit nœud. Il y a également Donald avec qui sort d'un petit œuf. Qui sort d'un petit œuf, voilà. Les couleurs sont belles. Ouais, il y a de belles couleurs. Et bien sûr, celui que tout le monde recherche, c'est Dumbo. Nous avons eu la chance d'avoir les 4 différents avec Dumbo. Hop. Voilà, on a eu le Tsum Tsum de Pâques de Dumbo avec le petit poussin au-dessus et la petite fleur qui tient avec sa trompe. Voilà. Il est adorable. Ces Tsum Tsum sentent le marshmallow vanille. Ça sent extrêmement fort. Ça nous embaume toute une pièce, hein, je tiens à vous le dire. L'odeur est vraiment forte. Au début, c'est sympathique, mais au bout d'un moment, ça fait mal à la tête. Je vous le cache pas. Ah, mais c'est impressionnant quand on ouvre le paquet et que d'un seul coup, il y a toute l'odeur qui vient d'un coup. Ouais, voilà. L'odeur est... C'est presque écœurant, mais ça sent bon quand même. Oui, ça sent bon, mais c'est écœurant. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Non, on va continuer ce haul avec de La Belle et la Bête, parce qu'il y a eu un bag qui est sorti de La Belle et la Bête. Un bag de Tsum Tsum qui nous a coûté 35€. 34,99€. Voilà, exactement, 34,99€. Le bag de La Belle et la Bête Tsum Tsum. Hop, on l'ouvre comme ça. Dans l'autre sens, désolé. Et ce sont les personnages de La Belle et la Bête en humain. Ça change de la première collection qui était sortie où ils étaient en objet. Voilà. Il y a 8 Tsum Tsum. Ce qui n'est vraiment pas cher pour 34,99€ pour 8 Tsum Tsum. C'est vraiment pas cher. Hop, on va vous les montrer un par un. Là, on a Samovar, Madame Samovar. Très jolie. Très belle. On a Zip. Il est bien fait, hein. Mmh. Il est très bien fait. On a le chien, le petit chien. Hop. On a Plumette, la belle Plumette. Hop. Les détails sont extrêmement bien faits parce que comme vous pouvez voir, là, il y a le petit plumeau de Plumette. Donc voilà, les détails sont vraiment bien faits sur cette Tsum Tsum. Là, nous avons Big Ben. Hop. Mmh, avec le détail de l'horloge juste ici. On a également notre fameuse lumière avec, hop, je le remets bien, le petit chandelier qui se trouve juste ici. Donc les détails sur ceux-là, ils sont bien. Ouais, ils sont bien faits. On a Adam, c'est plus la bête maintenant, c'est Adam.
toujours dans son beau costume bleu de bal. Hop. Et on a le Tsum Tsum de Belle en villageoise pour terminer ce bag. Hop. Voilà, un très beau Tsum Tsum avec les yeux verts. Les détails sont vraiment bien faits de ce bag. Et le bag, je trouve vraiment très original. Hein. Hop. Il est vraiment très beau ce bag. Vrai que c'est sympa. Ouais, on regrette pas cet achat, franchement. Non, pas du tout. Content. On continue ce haul avec les Tsum Tsum de Bambi. C'est la dernière collection qui est sortie. Hop, on va commencer par quoi? Les médiums ou les petits? Les petits. On va commencer par les petits. Il y en a un qui est caché là-bas. Il y en a un qui est caché là-bas. Il y en a 7 qui sont sortis. Il m'en manque un, là, je vois. Qu'il m'en manque un. Il va être tombé quelque part. Il est peut-être tombé ou sinon je l'ai oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque qui? Il me manque Féline. Ah, il me manque Féline, je l'ai peut-être oublié. On va aller la chercher. Tu vas la chercher? Elle est là-bas? Ouais, je pense. On va chercher Féline tout de suite. En attendant, moi je vais continuer je vais vous les présenter. Hein, pendant qu'Elodie est partie chercher le Tsum Tsum de Féline qui est caché je ne sais où. En tout cas, il n'est pas là, hein, mais il va apparaître. Voilà. Ils ont sorti 7 Tsum Tsum, comme je vous l'ai dit. Là, nous avons le hibou. Nous avons le hibou. Hop, Féline est de retour. Elle arrive. Elle était cachée derrière Big Ben. Ah bah voilà, elle était cachée derrière Big Ben. Hop, et bah voilà, on va faire Féline. Nous avons le Tsum Tsum de Féline avec ses petits yeux bleus. Elle est adorable. Elle est trop mignonne. Voilà. Nous avons Bambi en enfant. Hop. Avec le petit détail qui tue, le petit papillon sur ses fesses. C'est le genre de truc, de détail qui fait craquer quand même. Ouais, c'est vrai, hein. Hop. C'est trop mignon. Hop. On a Bambi en adulte, le grand prince. Hop. Voici le Tsum Tsum du grand prince. Hop. On a Fleur. On a voilà le petit Tsum Tsum. Ah, c'est un des plus beaux, je trouve. De Fleur, ouais. Avec les petits détails, il a une petite fleur ici, sur le côté. Il est très bien fait, il est très beau comme Tsum Tsum. Et je trouve que ces deux Tsum Tsum là, ils sont tout doux comparé à d'autres. Oui, c'est vrai, ça nous a étonné quand on les a reçus, ils étaient vraiment tout doux. On a Miss Bunny, les couleurs sont vraiment très belles comparées à la première version. La première version, il était jaune, là, elle est vraiment couleur pastel, comme dans le film, vraiment très beau Tsum Tsum. On a, pour terminer, le meilleur, le petit Panpan avec les yeux fermés. Voilà, le voici, le voilà, le petit Tsum Tsum. De Panpan avec sa petite queue. Hop. Et le voilà. Voilà, on vous a présenté maintenant les mini Tsum Tsum. Maintenant, on va passer au médium. On a acheté les deux médiums de la série qui sont sortis, qui sont Bambi et Panpan. Tiens, je t'en donne un. Et voilà. Les voilà, les deux Tsum Tsum médiums de la série Bambi Tsum Tsum. Et bien sûr, on retrouve comme sur le petit Tsum Tsum, le petit papillon sur les fesses de Bambi. Ouais. C'est super beau. Voilà. Voilà, notre haul Disney Store et autres, parce qu'il y a eu deux livres de La Belle et la Bête est maintenant terminé. Nous vous remercions d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser pouce bleu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas non plus à nous laisser un petit commentaire. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous souhaiterez voir sur notre chaîne. On se retrouve prochainement pour une série de top 5. Top 5 des restaurants de Disneyland Park. Top 5 du Disney Village. Et top 5 des attractions de Walt Disney World. Des 4 parcs de Walt Disney World. Voilà. N'hésitez pas à rester connecté pour suivre tout ça. Nous, on vous remercie. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt.